Bonjour à amis et c'est pour moi un plaisir immense pour commencer avec vous jeudi à qui c'est samedi 14 octobre pour nous nous capables introduire sujet bien pour nous développer semaine et durant ce semaine, nous allons développer ensemble l'étude numéro 3 qui c'est l'appel de Dieu pour la mission cet thème ça durant toute semaine maintenant moi avec vous ensemble nous pour pour nous étudier mais bien avant même que nous rentrions dans l'introduction étude l'étude là, à nous prions bon Dieu. Papa, nous quittons ciel-là, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour ce que fait pour nous et pour ce que tu as réalisé dans la vie. Merci pour la grâce que fait nous Et merci de plus pour l'autre occasion. Merci pour l'autre opportunité que accordé nous pour que nous puissions continuer avec et bien, le thème que nous avons développé durant ce trimestre-là, qui c'est la mission de Dieu, ma mission. Tandis que nous avons introduit il y a une nouvelle étude au Père, nous demandons que nous nous la puissance de donner ici si pour que nous de ka, comprendre nou et mettre en application. Faites grâce à l'écriture, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes amis, moi, je vous remercie, félicitez-vous, encouragez pour l'ensemble d'efforts que vous faites jour après jour pour continuer à étudier parole, bon Dieu, à travers les études de du sabbat. Mais songez chaque fois que vous plaisir C'est toujours encouragez pour partager tout ça avec un courageux, comme ça, capable de faciliter plus, vous capable de rêver étudier le leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, vous faire ça. Kounya, et puis, à l encourager les autres, faites même gens avec vous. Et titre maintenant, c'est numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. Si on étude que nous commençons avec le jeudi, qui c'est samedi 14, pour y vendredi qui est 20 octobre. Et texte, si vous faciliter la compréhension, dans le développement, maintenant, nous avons une Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 1, verset 21. Genèse chapitre 12, verset 10, à continuer. Genèse chapitre 13, verset 1 Et puis Acte chapitre 8, verset 1 à 4. Acte chapitre 1, verset 8. un texte, avec quelques autres encore. Pour nous eh, avons un développement sujet pour semaine. texte nous que pour nous bien la tête nous. Hein? C'est Acte chapitre 1, verset 8. Mais. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1 verset 8, qui c'est ce texte nous gagnons pour nous qui est bien en tête nous dans le développement de étude de la semaine ça. Eh bien... Parfwa, bon Diyo kapab rele nou pou nou kite zon de konfor ki nou ye ya pou nou ale temwen li dan dot an doa. Parfwa, chanjman sa li kapab itilize pou akompli plan bon Diyo. Mem jen nou re bon Diyo te feli e, e avek la tou de Babel kote ke bon Diyo te disperse le zon atrave tout la ter. E nou rapi nou sa ki te pase a Babel se ke yote gen yon plan. Plan yo, se te fe e, yon, yon vil, konstu yon vil, e nan vil sa, yo te vle e konstu yon tou, se ta di fe yon monument ki pou kapap touche siel la, doun fason si tout fota yon, de, yon deluge anko, pou ke yo men yo pa moure, se ta di yo te vle sekirize tet yo. E ben nou e, plan bon dieu, e ben li te rive realize, parce ke bon dieu, Plan pour de disperser l'homme à travers toute la terre parce qu'il faut que la terre soit remplie mais nous, à l'époque où nous, nous avons construit la tour de Babel nous avons voulu arrêter le seul côté mais nous avons voulu bon Dieu soit réalisé, bon Dieu disperser à travers toute la terre et nous avons donc besoin d'Abraham lui-même qui a quitté le pays où il a pris naissance pour aller vers une autre destination, pour aller à l'autre côté but pour que est capable rendre témoignage de bon Dieu ça. Et disciples Jésus, il était prêcher, même également dans communauté par Mais il était prêcher dans d'autres communautés. Les Acts chapitre 3, chapitre 8, chapitre et tout texte là, montre nous que disciple pas seulement été prêcher dans localité localités était parler avec eux, mais il me ont quitter qu'il localité pour aller dans d'autres endroits pour okay, qu'ils puissent prêcher l'évangile. Dans Acte chapitre 1, verset 8, Jésus établi un principe d'évangélisation. Nous devons commencer avec e, e, l'activité e, d'évangélisation dans la localité où nous nou e, e, nou nou vivons. Nou, Jésus dit, avec les disciples, qu'ils puissent prêcher pour à Jérusalem, qu'ils puissent aller dans Judée. Et puis par la suite, y les jusqu'à ce que y eh bien tout le monde qui est sous terre. Et eh bien, nous capable de comprendre, et j'ai fait une et toute semaine dernière, Jérusalem symbolise la caillou c'est-à-dire voisins à jour, les familles, et le monde qui est capable de côtoyer tous les jours. Et nous que Judée encore, c'est presque dans la même localité, mais un petit cas éloigné. Samarie, c'est un symbole de monde qui est très éloigné. Et pour parler jusqu'aux extrémités de la terre, quel que soit côté, monsieur n'est pas capable de mettre avec nous. Il faut que vous capable de prêcher l'Évangile. Mais même si nous n'avons pas quitté quitter le pays, nou, Ok, pour nous aller et, nou, dans d'autres endroits, dans d'autres pays à travers le monde, pour nous capable prêcher l'Évangile, mais nous avons dû annoncer bonne nouvelle là avec gens qui autour de nous. lorsque l'Église de Jérusalem est devenue complaisante, les membres Mambilio dispersés. été Bien que persécution soit venue. Et que mon Dieu te souffre, mais éventuellement malheureusement, tu viens devenir d'où il y a moyen pour que la bonne nouvelle, l'est capable de prêcher dans le monde entier. C'est-à-dire, lorsque discipline une personne qui se noie en droit, il quitte elle, eh à cause de ta personne, à cause de ta prêcher l'évangile, une personne qui se noie en droit, il quitte elle, eh bien on doit côté que il y a de continuer à prêcher l'évangile. Eh bien plus il y a une persécution, eh bien c'est plus nous ouais l'évangile lui-même, l'est fait route, l'est c'est plus mon tendez l'évangile. Et eh bien ce même ça. Nous allons parler ensemble, étude numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. Nous allons parler de qui appelle, bon Dieu, faire ensemble avec nous, qui est bon Dieu réel, et qui bon Dieu demandé pour nous faire, pour que nous soyons capables d'atteindre la eh ben, mission que Libanon, qui c'est river, évangéliser eh ben, le monde, partager l'amour de Jésus ensemble avec nous, même pour que nous soyons capables de comprendre et prendre position pour que nous soyons capables marcher. Ensemble avec bon Dieu. L'appel de Dieu pour la mission, c'est sujet, ça nous parvient. Durant la semaine non? pour nous capables de développer ensemble, qui c'est étude numéro 3. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour vos paroles. Aidez-nous jour après jour pour que nous capables comprendre davantage. Les paroles et puis tirer profit là-dedans, hériter la volonté. Merci parce que vous exaucez-nous déjà. nom de Jésus, nous prions. Oh. Amen. Vous avez déjà monsieur toi. bonne étude, bonne journée, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.